Yo les gens, c'est Lofoc, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Super Mario Odyssey. Regardez, je peux changer de scène comme ça. Et en fait aujourd'hui le sol c'est de la lave. C'est comme dans le titre finalement. Alors avant d'aller plus loin déjà, je dois faire une dédicace forcément déjà à Small Ant. C'est un youtubeur américain qui a déjà fait ce concept. Et je fais une autre dédicace à un youtubeur français qui s'appelle Jules Gann, qui a déjà fait ce mode avant moi. J'ai regardé aucune vidéo, d'accord. Je sais pas du tout ce qui m'attend, je suis pas spoil. Évidemment pour les gens qui regardent sur YouTube, je mets le lien de mon Twitch en description. Alors il y aura pas toujours des vidéos enregistrées en même temps que sur Twitch, vous inquiétez pas. C'est juste que là c'était l'occasion, vous voulez essayer de faire ça. Mais pourquoi je me justifie en fait, t'es mon père? Bah non, il est parti. Du coup, le sol, c'est de la lave. D'accord, ok. Ok, il y a une plateforme quand même au début. Ok, je crois qu'il faut sauter pour démarrer, c'est ça? À l'époque, j'avais speedrun ce jeu. Putain, c'était il y a des années à l'époque. C'était au moins 2 ans, je pense. Oh putain, mais tout est... Même le chapeau, il est en lave, c'est trop stylé en vrai. Il y a un nuage là-bas. Ah, j'ai pas capi encore, putain. Ah, je brûle là. Ah, je brûle là. Attends, c'est... Ah bah non, bah je suis mort. Deux secondes. Oh, je crois que j'ai trouvé. Saute! Ok, on avance. Il y a pas un truc là-bas là? Oh non mais. Oh non mais. Non mais c'est déjà oppressant! Ok. Oh mais est-ce que je peux vraiment le rejoindre ce sale chien là? En tout cas ça marche, Bastrat, je sais pas si. Je suis mort, je pense. Ouais, non. Oh putain, merde. J'ai l'impression que faudrait que j'aille voir Capi au-dessus. Mais ça se trouve, c'est pas là qu'il faut que j'aille le voir, faut que j'aille direct sur le pont en fait, comme dans un gameplay classique. Oh putain, ok, ça marche comme ça. Alors le but c'est vraiment d'aller au pont. Oh non mais c'est dur. Ok, donc là vraiment le... Vas-y, j'essaye d'aller au pont, puis ensuite on va voir. Logiquement, dans un gameplay classique, quand tu vas au pont, ou en tout cas quand tu touches une certaine zone du pont, ça te donne Capi en fait. Mais je me dis, ça se trouve dans un gameplay classique, il est là en fait. Aussi au début, mais je sais plus. Ah si, vous l'avez entendu? Ok, c'est ça, j'ai raison. Il est vraiment là au début, mais quand tu t'approches trop de lui, il a peur et reculer. Là, faut que j'aille au pont, d'accord. Pardon. Une fois que j'aurai Capi, j'imagine, ça sera plus facile déjà. J'ai accès à tout mon panel de sauts. Oh là là là. Oh mais je transpire déjà. Mais c'est bon, ça fait 5 minutes que j'ai lancé le jeu. Oh putain, je suis allé tellement vite. Attendez, est-ce que c'est ça? Oh non, le sale chien. Mais pourquoi il recule autant? D'où il sort celui-là? Oh non, je subis déjà du racisme. C'est à quel moment que Capi me donne son chapeau? Let's go, c'est bon, on a eu enfin la casquette. Ça va, oui, blablabla, vas-y. Hop, skip la cinématique. Bon là, du coup, je meurs. Non mais espèce de débile. Non mais le mec a fait le mode, il est trop con. Je retourne où, par contre? Après, je peux peut-être y aller plus vite. Comment je gagne de la vie dans ce jeu, c'est les cœurs, c'est ça? Après, je peux peut-être... Ok. Ça va, les sauts, je les maîtrise toujours un petit peu, j'ai l'impression. Putain, ce jeu est incroyable quand même. Ok, maintenant. Ok, c'est dur, c'est vraiment dur. En vrai, c'est un peu oppressant en plus. Ok. Ok. Oh là là! Oh, c'est tellement chaud, putain. J'ai pas ça pour qu'il y a de la lave. Hein. Est-ce que je peux marcher sur le... Ah, maintenant, évidemment. Putain de merde. Ah, mais si je meurs, là. Putain, je me retape tout. Oh là là là. Donc, le but, c'est de finir le jeu. On est d'accord, hein. Non, je suis obligé d'y aller, mollo. J'ai pas le choix. C'est quoi ces petites bêtes? Tu as déjà vu ça, toi? Logiquement, il y a des Goombas. C'est ça, c'est pour ça qu'il me dit ça. Deux secondes, je suis en train de réfléchir, pardon. Là, je suis obligé de faire un saut en avant, je pense. De jeter Capi, de rebondir, de rejeter Capi. Comme ça, genre. First try! Yes! Oh yes! Si je meurs là, je crois que j'aurai pas réussi. Ok, tac. Ah, oh putain, heureusement que c'est pas de la lave. Au pire, j'aurais perdu un PV, c'est ok. Ok, mais attends, mais est-ce que la grenouille prend des dégâts de lave? Ben, ça me paraît logique, mais. Est-ce que je suis obligé de me prendre un hit ou pas du coup? Ah non! Il y a une barrière! Je suis trop con! Ah putain! Attends, est-ce que je. À l'époque, on pouvait monter comme ça. Hein. J'aurais pu, je pense, monter comme ça en vrai. Ok, parfait, c'est exactement ça que je voulais faire. Bon là après, on s'en bat les couilles en fait. Ok. Y'a pas un cœur, non les cœurs sont pas là, putain. Ah putain de merde. Peut-être à droite c'est plus facile, hein. Attends. Ok. Ok, plus propre, beaucoup plus propre, mais sauf sans déconner. Hop, attends. Je peux revenir. Non. J'ai plus de capi jump, non, je suis baisé. Ah, dommage. En fait, là, le but, c'est d'aller sur les blocs, on est d'accord? En vrai, on va y arriver bientôt, j'en ai aucun doute. C'est compliqué. Deux secondes. Donc là, on essaye de rattraper ça. Non.
Parce qu'en fait, je voulais essayer de faire un saut directement sur la porte pour la rouvrir et refaire un petit peu comme j'ai fait. Mais en fait, si je me fais brûler le cul, je ne peux plus jeter capi. Je suis un fils de pute. Je vais me taper. Du coup. Allez ! Oh putain de merde. C'est bon, let's go, yes ! Ça fait une heure que j'enregistre, c'est vrai. Bon maintenant, en vrai, est-ce que ça va être si dur que ça là maintenant ? Mais je comprends pas, j'ai joué à Kaizo Mario Odyssey, c'était plus simple que ça. Oh, first try, let's go. Donc là, on monte tranquille. Non mais attends. Ok, je suis au boss. Et là, vous êtes en train de me dire que le boss, y a pas de lave. Ah, mais faut pas que je meure. Tac. Ok. Bon, en vrai, facile. Non, 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 je pouvais pas me mourir sur ça quand même. Allez, 1h10, on va dire, je pense, pour le premier monde. Let's go, deuxième monde. Est-ce que je vais pouvoir, par contre, faire la strat en speedrun avec le dinoskip et tout? Ferme-la, Capi, putain. Faudrait que j'achète une peluche Capi pour la frapper, ça me défoulerait un peu. Tac, tac, tac. Ouais, je pense que je peux y arriver. Faut que j'aille sur le rocher là. Et du coup, attends. Ça me fait des dégâts? Non, ça me fait pas des dégâts la lave quand je suis en chompe. Wouah. En vrai. Je peux aller dans l'eau, non? Est-ce que ça c'est de la lave? A priori non. Oh du sol putain. Ça fait plaisir. Je suis trop con. Je suis nu à chier, je me suis pris un dégât gratuitement là, mais bon. Et ça me remet full vie quand je prends une lune. Ou peut-être une triple lune, je sais plus. Ça m'a remis full vie là. Ah oui, 3 vies. Effectivement, ouais. Oh non. Oh non, le fils de... En fait, ça c'est censé tomber. Et du coup, ce qu'il faut faire pour passer là... Mais là, je suis bon, hein. Ah, meurs pas. Oh, let's go. J'allais crever. Ouais, j'ai pas assez de lune encore. Ok, il y a un checkpoint là-bas, faut que j'aille. Faut que je passe par là-bas. Ok, let's go. Tac, tac, tac. Non, mais il me faut le checkpoint là, à tout prix. Ah, non. En vrai, je pense que je vais essayer d'aller là-bas, hein, c'est mieux. Hein. Tac, tac. Ah, allez, là, je pense que je peux l'atteindre. Ouais, à partir d'ici, c'est mieux. En vrai, c'est beaucoup plus simple. Et puis, c'est surtout plus possible, en fait. Voilà, checkpoint. Comme ça, j'aurais pas tout me retaper. Y'a pas le dino. Y'a pas le T-Rex qui dort. Du coup, je vais pas pouvoir faire le T-Rex skip, là. Le but, c'est de prendre le gros, là. T'as pas de chapeau, hein? Non, vas-y, viens ici. Non, sérieux, j'aurais dû retourner un coup de Joy-Con pour le toucher, merde! Ouais, je vois des questions dans le chat. Lopo, qu'est-ce que tu es pour la peine de mort? Wow, je ne me prononcerai pas. Mais par contre, je me prononcerai sur un truc, je suis pour l'euthanasie pour le coup. Dans le sens où je trouve que c'est dommage que les gens qui veulent mourir, parce qu'ils ont une maladie et qui savent que bah, ils vont mourir, ils peuvent pas mourir dignement en fait. Enfin, les gens, s'ils veulent se tuer, ils se pendent chez eux, quoi. Mais bon, c'est un peu triste alors qu'on a des produits pour aider ça, pour partir pas dans la souffrance, tu vois. Parce que quand tu meurs dans la souffrance, mec, ton visage il est marqué par la souffrance, hein. Vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pardon. Non. Je me fais baiser. C'est trop sympa chez les autres streamers. Ils parlent jamais de ce genre de problématiques. Moi, j'en parle, d'accord. Et en vrai, c'est bien d'en parler un petit peu. Pourquoi on parlerait pas de sujets un peu tendus du cul? Après, l'euthanasie, pas pour tout, tu vois. Je pense à la dépression, on peut en sortir, par exemple. Ah, non. Tac, tac, tac. Non. Ok, c'est bon, j'ai eu. Est-ce que je peux... Non, mais je suis un fils de pute. Je sais ce que je dois faire, là. Tac, tac. Oh, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis le début. Oh, je te comprends, tu es trop con. Attends, le but, c'est juste de toucher le drapeau, hein. Pont de la pierre, let's go. Mais après, quand on s'appelle, peu importe les sujets dont je parle, vous êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, tu vois. Vous avez le droit d'avoir votre avis, de dire non, je suis pas d'accord avec l'opoc, vous avez le droit, tu vois. Mais après, vous êtes pas obligé de me détester parce qu'on n'est pas d'accord. C'est aussi ça le débat. C'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi ça, en ce moment, il y a les élections et tout, c'est important aussi, tu vois, le débat. Débattre, c'est intéressant. Sans forcément s'insulter, c'est grand mort. Et je trouve aujourd'hui, on perd ça, en fait. On ne peut plus parler de choses sans s'insulter. Enfin, moi, j'insulte pas les gens, mais je vois bien comment les gens réagissent. Quand on n'a pas le même avis sur un truc, les gens sont tout de suite en mode ouais, non, mais de toute façon, les gens qui pensent ça, c'est des gros fils de p***. Ben écoute, dans ce cas-là, on parle plus, en fait. Et on reste chacun sur nos idées. En fait, c'est con. Entendez tout et faites-vous votre avis derrière, quoi, tu vois. Bah, du coup, là, attends, qu'est-ce que je dois faire finalement? Hop, 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 hop. Donc, là, je sais que c'est une plateforme, ça, non? Oh, fils de pute, sérieux? Je suis mort. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tac. Oh, j'ai réussi! Attends, attends, vas-y, vite. D'accord. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Attends, mais là, je vais pas mourir forcément? Oh non! Non, moi, j'ai pété le mur, mais je vais mourir forcément. Hop. Mais couille que ça, c'était de la lave! Tac, est-ce que je peux rentrer? Je meurs là? Non, je meurs pas. Est-ce que je peux rentrer comme ça? Attends. Ah, oh, mais j'ai peur de mourir, putain. Oh, c'est bon, ok, il y avait pas de lave. C'est de la lave ou pas le sol ici? Non, c'est bon. Non. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une lune ici, sérieux? Et ça m'a redonné 3 points de vie? Parce que le problème, c'est ça, en fait, c'est surtout les points de vie là. Est-ce que je peux survivre ou pas? Vas-y, je recommence. Ah. De... Allez. Je l'ai pas eu, sérieux! Voilà, comme ça. Ok, il y a l'autre connasse là-bas. Est-ce que je peux la battre? Il y a juste une plateforme de con, là. Mmh. Vas-y. Si je tue ce boss, j'ai fini le niveau, d'accord? Je me suis fait détruire. Il y a une strat. En speedrun, je m'en souviens. Oh, j'ai réussi à la faire, je crois! Attends. Ah, mais qu'est-ce que je fais, là? Ah, mais je vais mourir, là, maintenant, en fait.
Ah bah je suis mort en fait. Ah oh, ça me remet là, let's go. Ah oh, elle a 3 points de vie il me semble. Allez meurs. Let's go, c'est bon. J'ai normalement les lunes pour partir. Vas-y. Mais comment je récupère la lune par contre? J'ai 2 points de vie. Oh putain. Oh sale chien va. Non mais c'est pas juste, c'est pas juste. Non mais je me suis fait toucher un centre, je pouvais juste... Je spam pour faire un capi jump. Let's go. Du coup on a fini le premier vrai monde on va dire. Du coup après c'est le sable. Bon le sable j'avais déjà fait avec un peu avec full laf partout avec le mode Kaizo. Donc je pense que ça va être à peu près la même merde. Ouais. Je réfléchis juste hein. Ok, je pense que je peux m'en sortir ici. Ok, le drapeau. Je me demande s'il faudrait pas que j'essaye de l'atteindre en vrai. Quitte à crever, hein. 1, 2. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le récupérer. Logiquement, là-bas, il y a une lune. On la prend, on la récupère, on s'en bat les couilles. C'est bon, j'ai fini le niveau. J'ai probablement pas tout montré dans cette vidéo parce qu'en fait, il y avait pas grand chose de nouveau. Il y avait très peu de lave partout. J'ai pris une heure à faire le niveau, mais juste parce que je connaissais pas où étaient toutes les lunes. En fait, c'était pas très difficile. Pays du lac ou pays de la forêt. On va aller au pays du lac, je crois qu'il est beaucoup plus simple. Je crois que de toute façon, je dois faire les deux. Hein. Oh putain, c'est dark, non? C'est stylé. Il y a pas de musique ni rien, c'est trop stylé. Mais ça fout les boules en fait. Alors, donc le sol, c'est de la lave. Attends. Bon, là, on peut mourir au début. C'est vraiment le temps de découvrir un petit peu. Ok. Alors, de souvenirs. Ah mais je vais mourir là non? Ah putain ok. Ah ok, je sais que logiquement il y a une lune pas loin d'ici. Ok tac, tac. Est-ce que je peux revenir? Putain eh, ça y est je suis super chaud. Quelque part là il y a une lune ouais. Il y a une lune là. Il y a de l'eau. Attends je sais qu'il y a de l'eau en bas là. Ah putain ok. Ah mais attends le niveau a pas mal changé du coup parce que logiquement il est censé y avoir de l'eau où je suis là. Là si je dis pas de merde. Ouais il y a bien une lune là. Tac tac. Hop, tac, let's go, deuxième lune. Ah, il y a des morceaux de lune à récupérer. Je me souviens plus de ça, moi. Ok, les poissons ne sont jamais à court d'air. Ouais, c'est comme certains présentateurs télé, quand ils invitent certaines personnes sur leur plateau de merde. Ah, attends, il y a peut-être une lune là-bas. Oh non, c'est que de la thune. Ah, puis les pièces qui meurent. Putain, mais dans ce jeu, l'argent peut mourir, c'est terrible. Ah, le niveau est pas mal différent de la version classique, mais ça va. Ok. En vrai, une fois que j'ai récupéré cette lune, ça va être facile, non? Ok. Mais non mais là c'est facile, en plus il y avait même pas de lave sur le sol ni rien. Le niveau était un peu différent, mais rien de terrible quoi. Ça fait même pas un quart d'heure plus sur ce level, j'ai déjà fini. Ça va. Let's go, du coup maintenant c'est le royaume des nuages, enfin le pays des nuages. Et c'est qu'un boss, j'ai bien compris, j'espère que le boss va être modifié quand même. Non, c'est le pays de la forêt, je suis con, putain, non, c'est pas du tout le pays des nuages. Oh putain. est-ce qu'il y a... Ah ouais, non, là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de lave partout là. Ça fait un peu plus peur que le niveau d'avant par contre là. Ouais, il y a de la lave un peu partout, regardez sur les plateformes et tout, il y en a. Oh, va falloir que je joue avec les barrières comme dans le premier niveau. Non, là ça va être vénère. Tac, tac, attends, on avance un petit peu. Ah, le lapin. Non mais le lapin donne une lune, hein. Ah mais il m'a baisé là en fait. Je sais qu'ici il y a une pierre, que si je shoote dedans j'ai une lune. Elle était bien ici la lune, d'accord. Chope là, s'il te plaît, merci. Pff, première lune. Je peux pas monter dans cet arbre là? Si, ok. Ah mais je peux peut-être aller à l'arbre là-bas, non? Ah non, je crois que je suis mort. Attends. Ah non! Ok, je peux survivre en rebondissant sur les trucs, je peux y arriver. Ok, on va aller là-bas, je pense. Tac. Non mais sérieux! Je suis une merde, pardon. Ok, ah déjà je crois que je peux monter. Tac, tac, tac. Tac, 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 ok. J'essaye de réfléchir où je peux aller pour récupérer des lunes maintenant. Tac, là, il y a une lune au-dessus. Ouais. Ah non, c'est... Ouais, il y a de la lave et du poison. Oh, il y a pas de lave, let's go. Mais je crois qu'il y a de la lave sur certaines des plateformes là-bas. Comment on faisait en speedrun pour monter rapidement ici hein? Il n'y a pas une strat genre... Genre comme ça. Let's go. On va essayer de monter sur la barrière là. Ok, pas mal. Bon, lui est mort. Là, je sais que je peux traverser comme ça. Faut juste que je me récupère bien. Ah putain, je pensais que j'étais plus loin. Il n'y a pas de game over sur Mario Odyssey, non. Tu perds juste de l'argent. C'est comme dans la vie quand tu meurs finalement. Vous savez, hein, les pompes funèbres, c'est un des trucs les plus chers dans la vie, une tombe. Hein. Même se faire cramer, hein, ça coûte cher. Hein. Tac, 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 tac. Mais un caveau ou une tombe, le prix c'est abusé, hein, vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que les assurances servent à ça aussi, tu vois. Parce que une assurance vie, ça te paye tous ces frais là, tu vois. Tu payes X euros par mois, et enfin, et quand tu meurs, ben c'est pas ta famille qui racle, quoi. Enfin, c'est marrant, ça me rappelle le fact que. Il y a des gens qui m'ont refusé de me prendre
Non mais quoi ? De me prendre en assurance vie là, parce que j'ai le diabète. La GMF, merci à vous en tout cas. J'aimerais vraiment que ça soit de l'humour ce que je dis là, hein, mais malheureusement ça n'est pas. On va juste essayer de faire ça, ouais. Tac. Vas-y, touche-le. Ok, c'est bon. Au pire, si on meurt, c'est pas grave. C'est quoi le bruit que j'entends ? Oh, c'est dans le jeu, j'ai cru que c'était les sirènes et tout, tu sais, comme le premier mercredi du mois là. Vas-y, meurs. Ok, c'est bon, il est mort. Let's go! Dans le trailer de Mario Odyssey en 2017, vous pouvez aller le revoir, hein. Je crois que c'était à l'E3 ou un truc c'était annoncé, je suis pas sûr. On voit bien qu'il y a une casquette et tout, mais jamais il montre que Capi peut contrôler des trucs. C'est juste du Mario en fait. Oh non! Oh putain, s'il te plaît. Ok. Là on fait ça, 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 tac. Oh non, putain, ça va être dur. Oh putain de merde, ça va être dur. Ce combat va être dur, je le sens pas. Ok, en fait, il va falloir le taper et revenir sur la plateforme. Tac, 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 allez. Oh, j'ai pas réussi, j'arrive pas. Oh, putain. Ok, voilà. Tac, on lui a retourné un coup, mais j'ai gardé, en fait, le jump. Ok, donc là, on ressaute. Ah non, là, j'ai besoin vraiment de me concentrer, par contre. Ok, tac, tac. Ah, j'ai pas réussi. C'est pas grave, c'est toujours jouable. Tac, parce que là, c'est son dernier point de vie. Quoi ? Oh, j'ai dû le toucher son épaule et il est mort, Mario, putain. Ok, ok, on se souvient de la dernière triple lune. Je pense qu'il va falloir que je fasse un saut en avant. Je suis mort. Non, c'est bon. Oh, c'est pas bugué là, putain. Mais pourquoi c'était bugué sur la première? Bon, là, du coup, c'est facile, non? Pff, j'ai vraiment cru que j'avais passé un mauvais moment. Réflexion, Loïc. J'essaie de te souvenir où je peux choper des lunes encore. J'ai eu. Let's go! Okay. Non mais quoi? Pourquoi il peut rouler sur la lave et moi quand je le prends il roule plus, putain? Ouais, il y a la strat en pétant les murs avec les canons, mais pff, c'est un enfer en fait. Attends, il me faut le timing en fait. Hop, putain de merde. Il a pas tiré. Ouais, le but, on va essayer de passer la porte. En fait, dès que je me fais repérer, j'y vais. Mais, ah, il veut pas tirer, putain. Il veut pas tirer quand j'en ai besoin. En fait, j'ai l'impression qu'il tire que quand je ne bouge pas. Non mais, ça doit être un char russe, je pense. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas possible en fait. C'est trop RNG, enfin... Monde de la forêt terminé. Non, j'ai perdu du temps là vraiment parce que j'étais un peu débile, je pense. Du coup, le prochain, c'est le monde, le pays des nuages, je crois. C'est un combat de boss là, logiquement, contre Bowser. C'est de la lave, ça? Non, mais... D'accord, ok. Pardon, pardon, j'avais pas compris. C'est de la lave, des nuages, d'accord? Non, mais tu sais, sur certains pays, des fois, les gens disent c'est des missiles, mais non, c'est peut-être juste en fait des nuages remplis de lave. Et là, faut faire un grand saut. Ah, attends, mais y'a de la lave là ou pas? Non, allez, entre les cratères, d'accord. Les cratères, c'est pas un cratère vu que ça monte. C'est entre les boss. Oh, je suis fatigué, putain. Bon. Ça va être chiant, non? Là. C'est de la lave, ça. Ça, c'est de la lave, hein. Ouais, ça, c'est de la lave, on est d'accord. Ah! Ok, le truc, c'est de récupérer un chapeau et d'essayer de se rapprocher de Bowser. Il faut que je me rapproche de lui. Et pour me rapprocher de lui, j'ai pas d'autre façon. J'ai que ce moyen-là, en fait. Ok, il est un peu assommé. Allez! Ok, premier hit. Si en 3 tries, je retire un PV, ça devrait bien se passer, en vrai. Et si ça chien. Allez, let's go! Deuxième point de vie. Non, il va me toucher. Oh non, let's go, yes! Là, bon. Ouais, non, facile. 3-4 tries. Passé à cinématique, monde du poison. Donc normalement, Capi, je le perds vers la moitié du truc. 10 lunes à récupérer ici. Ah non. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Pourquoi j'ai l'impression... Attends. Je crois que j'ai tilté un truc. Ah, j'ai cru qu'il avait dit on joue à la pizza. Oh putain. J'ai cru que Nintendo n'avait juste plus rien à foutre. Ok, donc... Meurs pas! Ok, du coup, facile comme level, je pense. Ok, c'est bon, je suis pas mort. C'est cool, il y a pas mal d'arbres et tout pour que je puisse me poser. Là, il y a une lune là. Donc, tu sais quoi? On va la récupérer tout de suite, hein. Même si on meurt, on s'en bat les couilles. Je sais que c'est la dernière lune qu'on récupérait dans le speedrun. Non. Oh non, j'aurais pu survivre, j'aurais vraiment pu survivre. Attends, tac, on va essayer de retourner là. Ok. Je pense que c'est là que Capi va être kidnappé, non? Non? Ah, si, c'est là. Oh, mais j'étais pas du tout là en fait. Est-ce que ça m'a remis là de base? Merde. Non. Non, non, je... non, 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 mais sérieux, je veux pas me faire défoncer là. Oh, ça va être dur, putain, sans Capi. Il me faut Capi. Il me faut Capi, c'est vraiment trop dur de jouer sans Capi. Ah, c'est vraiment dur. Non! C'est dur à crever. C'est dur à crever. Comment je peux faire là? À part jongler d'arbre en arbre, quoi. Faut que j'incarne Donkey Kong, en fait. En fait, si j'arrive à vraiment me mettre au centre de la feuille, je peux sauter dessus. Oh non mais quoi, il s'est pas accroché, Mario! Accroche-toi à la vie, merde! Fais pas comme ton frère Luigi, la merde là! Attends, let's go. Let's go. Non, je suis mort. Non! Je vais devenir fou. J'en ai plein le cul, je suis un fils de... Ok. Ok, 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 on a jamais été là. Du coup, qu'est-ce que je peux faire maintenant par mourir? Bah pas grand-chose a priori, hein. Non, 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 c'est trop dur, c'est trop dur. Si avec un dégât dans la lave, j'aurais peut-être pu y arriver. Si j'avais fait un petit saut en avant, ouais. En fait, j'avais perdu peut-être trop de points de vie, c'est pas impossible. Ah,
2. Ok, on n'a jamais été ici. On n'a jamais été aussi proche de Capi. Ok, je pense que là, je dois aller là-bas, ouais. Je peux pas m'accrocher à ce pilier, là. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Ok, là, je sais qu'il y a une lune. Ça va me redonner 3 points de vie. Allez. Allez. On est vraiment large et je pense que je vais pouvoir récupérer Capi tranquille, là. Du coup, ce qu'il faut faire, là, c'est tac. J'ai cru que j'avais récupéré Capi. J'allais faire un saut, un Capi jump. Oh, quelle merde. C'est pas grave, on va y arriver. Ok. Pourquoi je récupère la lune là, même si j'ai déjà récupéré, c'est pour avoir 3 points de vie, d'accord? C'est bon, j'ai Capi. 6. 8. Let's go! Putain, en fait, c'est tellement facile une fois que le premier truc est dépassé. C'est bon. Ah, yes, c'est fini. Hop! C'est bon. Pays des gratte-ciel. Pas trop de lave pour le moment. Ah. Ah, ça rame un peu, je crois. Ouh, ça... Oh, ça rame tellement. Alors, c'est pas le stream qui bug, vous inquiétez pas. Oh, putain de merde. Oh là là là. Bon, ensuite, d'un côté, ça me permet d'anticiper mieux, je pense. Je crois que c'est là-bas qu'il faut que j'aille, non? Oh, il y a de la lave même sur les trucs, là. Putain. Ok. Oh, la vache. Peut-être un moyen d'aller là-bas, non, en vrai. Let's go, j'ai réussi. Ok, c'était vénère, j'ai perdu 2 points de vie, mais c'est le seul truc que je me sens capable de faire en tout cas. Ok, oh putain, ça lag, mais c'est cool, parce que j'ai pu prendre le checkpoint. Là, faudrait que j'arrive à aller... Oh, peut-être même pas besoin. Ah, oh, putain de merde. Oh, attends, je vais peut-être passer. Ok, c'est bon. Pff, nice. On avance. Hop. C'est bien de la lave qu'il y a ici, on est d'accord hein. Ouais, on est d'accord. Je voulais être sûr. Ah, et moi, je voulais vraiment être sûr et certain, tu vois. Ah, mais là, ça, à tous les coups, c'est une putain de lune, en fait. Oh, j'ai pas envie de mourir. Hein. Ok, vas-y, j'y vais. Ok, vas-y, raccroche-toi, merci. Maintenant, est-ce que je peux aller jusqu'au bloc là-bas ou pas? Hop. Ah, est-ce que c'était une erreur? Ouais, erreur. Donc là, je ne peux pas mettre au premier plan, au cas où vous demandez. En fait, je suis obligé d'y aller à l'aveugle. Hein. Mais mec, mais c'est infâme, en fait. Comment tu veux que je fasse? Est-ce que là, je peux sauter dessus, là? Ouais, je peux sauter dessus, effectivement, ouais. Tac, 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 attends, je suis bon, c'est pas grave. Oh, le cœur 6, c'est bon. 4, c'est bon, let's go, putain, yes, c'est bon. Il est mort, là. Ah si, il est mort, déjà. Bon, c'était simple, ok, d'accord. Allez, let's go, New Donk City. Putain, l'apocalypse, let's go. De souvenir, lui, je peux le contrôler, là, à gauche. Si la voiture peut mourir, parce que c'est possible hein, qu'elle puisse mourir dans le code du jeu, grâce au développement objet, c'est incroyable. Attends. La vie de ma mère, je peux rien faire. Ah donc ça se trouve elle est vraiment morte la voiture. Merde. Et évidemment qu'aucune interaction de mort n'est codée pour ça. Enfin il y a pas d'animation je veux dire, mais je pense personnellement que tous les objets peuvent potentiellement mourir et que vu que enfin la voiture était jamais censée mourir tu vois. Bon bah tant pis. Est-ce que le scooter roule sur la lave? Oh le scooter roule. Ah yes. 8 lunes. Alors si vous trouvez que je conduis mal, tous les livreurs Uber Eats de ma vie conduisent mal alors. Ok. T'as livré un Uber Eats, c'est vraiment plus que c'était, hein. Pardon. Ah, let's go. Bah du coup, c'est fini. 7e monde, je sais plus c'est lequel. C'est un gros monde, celui-là. C'est un gros monde. Neige ou mer? Ok. Les deux sont des petits mondes, je crois. Et je vais aller dans le pays de la mer pour commencer. Pas très long. De souvenir. Après, je sais pas, ça se trouve, l'eau, ça va être de la lave, en fait. Oh, putain de merde. Ça, c'est... C'était la mer ou quoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Est-ce que j'ai vraiment... Ah, attends. Oui, c'est des escargots, là. Vu que Mario, c'est un suprémaciste blanc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tac, 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 tac. Attends, là, il va ressauter sur l'escargot, là. Ah, putain. Je pense que, honnêtement, que Mario fait un classement des races. Voilà, Enfin, je pense ne pas trop m'avancer, en tout cas. Mais je pense que Mario fait vraiment un classement des races et les escargots pour lui c'est vraiment en dessous, tu vois. Les Goombas, c'est en dessous des escargots, je pense. Non, mais les Goombas, il les déteste quand même. Hein. Les Goombas, les Koopas, tout ça, machin. Pour lui, c'est de la merde. Hein. Ah, j'y arrive pas. Ah non, y'a vraiment pas d'eau. Hein. Y'a des boobs qui volent là. Attends, si, ils volent. Ok, mais il va pas mourir. Attends. Oh, ok, d'accord. Oh, y'a pas de timer ni rien. D'accord, du coup, j'ai la plage, mais c'est vrai. Tac, 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 tac. Ok, 2 secondes. En fait, là, c'est de trouver des rochers sur lesquels je peux aller pour pas crever. D'accord? Ok. Ah, putain. Je pensais que c'était une zone de répit, mais non, pas du tout. Là, normalement, il n'y a pas de lave. Hein. Ok, là, il y a des trucs, et en plus, il n'y a pas de lave. Ok. Il y a le sol qui vibre, là. J'ai l'impression qu'en fait, à l'endroit de la lave, là... Putain, j'en étais sûr! Let's go! Ok, ok, vas-y. T'inquiète pas. Ton sacrifice sera utile. Si je meurs... Oh. Ok, merci monsieur Bloops. Ensuite personne t'aime toi. Moi-même tu vois, pas toi. Je pense que c'est ce que Mario se dit intimement après, mais il va pas le dire en public tu vois.
Non, attends, je viens de me souvenir d'un truc. En bas, là. Là-bas, là. Ok, bon, c'est peut-être pas le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, mais... Oh, il y a le sphinx, mais oui. Alors, il y a un sphinx ici, mais je me souviens que... Vous voyez cette case, là? Oh, mais jamais je l'atteins, en vrai. Ah, il y a toujours les bancs de poissons. Oh, si! Ok, et là, normalement, il y a une lune quelque part. Let's go. Oh, il y a un tuyau, là. Comment ça? Ah, c'est un tuyau qui me ramène en 2D? Je savais pas. Putain, je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie. Hop les, hop les, hop les, vous allez me jouer à Mario Maker. Hop, je me mettrai dans les tags. Let's go. Hop, hop les. Ah. Non. Il y a ce genre de personne chez Nintendo aussi, en fait. Ok. Ah bah, let's go. Hop, 9-1. Oh, totalement random. Je savais pas du tout qu'il y avait une lune ici. Monde de la mer terminé. On a fait beaucoup de monde quand même. Hein. Là, on est plus près de la fin que du début du jeu. C'est trop bien de te dire ça en vrai. T'as le monde de la neige. Oh, je sais plus. Pays des neiges. La pluie faisait ramer, mais la neige fait pas ramer. Curieux. Est-ce que parce qu'avec la pluie, il n'y avait pas une physique ou des particules en plus qui apparaissaient quand elle touchait le sol? Parce que la neige ne touche pas le sol, regardez, ça traverse tout. Regardez, il n'y a pas de collision en fait, alors que la pluie, peut-être qu'il y avait une collision. Du coup... Bah écoute... Ah ouais, non. Oh putain. Ah. Ah, je meurs pas. Cette eau glacée, t'inquiète pas Mario. Il y a de la lave juste dehors là. Tac, tac, tac. Ok. C'est ici, logiquement, je devais aller, non? Ah ben, déjà. Est-ce qu'il y a de la lave partout par terre, en fait? Oh, putain. Ok. Ah, j'ai cru qu'il disait fion, mais en fait, c'était flon. Est-ce que je peux aller là-bas ou pas? Eh, je crois pas que je puisse aller, hein. Si je peux pas aller dans chacune des portes, c'est 4 lunes en moins. Tac, tac. Attends, il faut que je récupère mon capi jump. Pour ça, je suis obligé de me faire toucher. Non! Le cop! Le cop! Le cop! Le... J'étais en pleine panique, pardon. Je teste un truc. Ah, c'est peut-être possible, putain. Ah, c'est peut-être possible, putain, mais c'est tellement dur. Oh non, mais c'est un enfer. Oh non. Oh non. Attends, ça va être chiant. Je suis mort. Allez. Oh non, mais pourquoi? C'est trop dur, c'est trop dur. Putain. Ensuite, si j'arrive à aller dans la zone, je pense que je pourrais choper de lune rapidement. Ok. Non, non, c'est... Oh putain, j'ai trop peur. Oh, je me suis tapé un mur invisible, j'ai vraiment cru que j'étais mort. Oh hein? Pourquoi elle a apparu instant? Est-ce que, pour cette lune, il faut pas faire un truc particulier dans le niveau pour qu'elle apparaisse? Genre, tuer tous les ennemis ou c'est que dans la version Kaizo, je sais plus. Ce que je devrais faire, là, c'est ça, ça, ok, là on est bien. Faire un saut en avant, le plus loin possible. Ah si, c'est possible. Pour essayer de toucher là. Ah si, c'est possible. Hop. Logiquement, je risque pas de mourir, là, c'est... Ouais, non, je suis pas resté trop longtemps. Ok. Ok, quatrième lune. Ok. Ah, on est bien là, putain. On est vraiment bien là. Hein. Je pense que je peux y arriver là. Te trompe pas, Loïc. Let's go. Ça peut aller vite si j'arrive à aller à d'autres zones, en vrai, comme ça. Let's go. Ok. Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Là, j'ai vraiment plus de thunes. Hein. Fin de mois compliqué. 2 balles d'essence. Hein. Ok. Allez, vas-y. C'est bon. Ouh. Maintenant, mon jeu. Y a pas un boss? Ah, là, je suis mort là, non? Ok, ça va être dur. Allez, ok, je peux planer un peu là, c'est cool. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. J'ai jeté Capi, ça va pas marcher. J'ai jeté Capi, ça va pas marcher. Non, ok, je peux pas faire ça first try, malheureusement. Ok, ok, ok. Jette Capi, s'il te plaît. Je suis coincé avec l'animation de feu, regardez. Non, mais vraiment, hein. En fait, les interactions de certains trucs quand Mario a le cul qui brûle, marchent pas en fait. Regardez, Mario ne bouge plus là. En fait, si je brûle et que je vais là-dedans, j'ai perdu. Ouais, non, non, ça sert à rien, ça sert à rien. Y'a un moyen d'y arriver? Enfin, si tout est de la lave là, c'est que c'est forcément prévu par le mec. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je pense que j'ai changé de zone en vrai. Ça me casse les couilles en fait. Ce truc me casse les couilles plus que les autres trucs en fait. Non, non, allez, 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 trop chiante. Oh, quoique, est-ce que j'ai vraiment envie d'abandonner, putain? Ah, je me demande si c'est pas parce que je fais de la merde en fait. Attendez, je viens de comprendre un truc, je crois. Je vais essayer de vous expliquer, c'est compliqué. Mais en gros, ma strat habituellement c'était de. Ok, j'arrive ici, ça, on a compris. Non, là, là, je suis mort. Ok, non, c'est pas ça, ma strat habituellement de mourir. Même si on croirait. Okay. Logiquement, pour arriver à cet endroit-là, ce que je faisais avant, c'est que je glissais sur le mur. Mais quand tu glisses sur le mur, ça t'annule ton capi jump, en fait, ton prochain capi jump. Est-ce que là, ça va marcher ou pas? Ça a marché. Mais est-ce que ça va marcher, du coup? Ok, let's go. On n'a jamais été là. Oh, putain. Ok, ok. Attends, hop, ça va être dur, ça, non? Est-ce que je peux faire un capi jump en sortant de là ou pas? Non! C'est pas grave. Ok. Saut en avant. Ok, c'est bon, c'est vraiment... Faire un saut en avant juste après là pour pas crever en fait. Ok, comment j'active le boss? Faut que j'aille vers là-bas, non?
Ouais, il y avait bien un boss ici, je m'en souviens. J'aimerais pas mourir par contre. En plus, je crois que c'est le boss de merde. Bon, c'est pas grave, on a le truc maintenant. Ok, tac. Ok, un point de vie. Oh putain de merde, c'est trop dur d'être que sur cette plateforme de con. Non, sérieux! Perdu du temps pour des conneries parce que je sais pas bien évaluer les distances. Non, c'est bien fait pour ma gueule, hein. J'ai depuis tout à l'heure que le mode il est facile. Pff, franchement, je mérite pas mieux en fait. Non, vraiment. Non, mais faut être honnête quand on est con. Non, je suis mort. C'est trop dur, j'arrive pas. J'abandonne cette partie, c'est trop dur. J'arriverai pas le boss. Je veux pas le faire no hit en fait. Attends, j'ai peut-être une idée. Ok, donc là. Non! Non, le but en fait, c'est pas de lui sauter dessus, c'est de fuir en fait, jusqu'à ce qu'il se calme. Et je pense vraiment que c'est jouable. Hein. J'ai beau dire, ah non, mais je me casse de là, c'est bon, ça me saoule. Au fond, j'ai envie de tryhard, tu vois. Et malgré tout, il y a eu de l'amélioration depuis le début, il y a eu beaucoup d'amélioration depuis le début en vrai. Non, je suis mort. Non! Ok. Non, mais quoi? Mais pourquoi? Pourquoi ça m'a pas fait sauter plus haut? J'ai fait un saut de merde là! Putain, une fois que j'avais touché sa tête de con, je dois maintenir le bouton A, c'est peut-être ça. Hein. Ok, ouais, j'ai maintenu cette fois-ci et ça m'a fait sauter plus haut, d'accord. Ok. Ok. Ok, tac, tac, tac. Vas-y, on y va. J'ai merdé. J'ai pas merdé, let's go, j'ai jamais été là. Let's go. Il est mort. Bon, attendez, c'est pas fini, deux secondes, c'est pas fini parce qu'après, il y a la fin. Dommage que j'ai pas un capteur de BPM là, franchement. J'ai pris, je sais pas, 2 heures que sur cette portion peut-être, je sais pas. Allez, let's go! C'est bon! Ce monde, c'était vraiment une plaie. Hein. Le boss là, avec la lave, mon dieu. Mais déjà dans le Kaizo, j'en avais chié ma race hein, sur le même boss et tout. C'était éprouvant le monde d'avant, c'était éprouvant. Il n'y avait pas de musique, c'est oppressant, et la lave a été remplacée par un espèce de truc violet, non? Ça y est, c'est reparti. Oh putain, c'est monde. Je me souviens qu'à l'époque, les gens, ils n'aimaient pas beaucoup. Bon, je comprends, en fait. J'aime pas non plus beaucoup, en fait. Bah, il est moyen, quoi, visuellement parlant et tout, c'est pas ouf. Après, niveau gameplay, ça va, en vrai. Je me souviens qu'il y avait une lune là-bas, ouais. Je prends un dégât. Oh, non, let's go! Yes! Je pensais que j'allais prendre un dégât. Troisième lune, du coup. Ok. Tac, 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 tac. Vas-y, hop, on va toucher, c'est pas grave. Comment on faisait à l'époque ici? Il y a de l'argent là-bas. Je vois qu'à l'époque, on allait sur la gauche, là. C'est du poison, ça, en bas? J'ai un doute. C'est pas du poison, ça. Hein. Ouais, non, c'est pas du poison, ça. Ok, tac, tac, tac. Ok, ouais, facile. Il vient quand même t'arracher la tête à une vampirana en shootant dedans, Mario. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on y pense pas assez, mais des fois, je regarde Mario, comment il se déplace, comment il interagit avec les ennemis, et je me dis, bon, si, la vampirana est un personnage, en fait. Genre, c'est une personne, elle est dans Smash, en fait. Elle a des sentiments aussi. Bon, Luigi a pas de sentiments. Parce qu'il est pas dans Smash, lui. Ah, je me souvenais plus de cette merde. Oh, c'est nul comme transformation. La transformation fourchette. Pardon, mais quand je le dis, ça me fait rire en fait, parce que je trouve ça vraiment de la merde. Est-ce que vous avez déjà entendu dire vraiment de la bouche de quelqu'un? Mes personnages préférés dans Mario Odyssey, c'est les fourchettes. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des couteaux? Il n'y a pas de couteaux aussi. Si ça se trouve, il y a eu une bière ethnique à un moment donné. Et les fourchettes ont vaincu les couteaux. Mais il y a des transformations tellement bien que je ne prends pas genre cette boule de feu là. Et je me demande même si finalement, je peux pas aller dans la lave sur le sol avec la transformation boule de feu. Ok. Attends, là, il y a de la lave logiquement sur le sol. Hein. Est-ce que ça marche? Ça marche. C'est tellement fort. En fait, je peux me déplacer, en fait, ça veut dire. Limite un peu abusé. Hein. Let's go. 14e lune, je crois. Déjà? Dernière lune. En vrai, facile. Je pense que ce monde va pas prendre beaucoup de temps dans la vidéo. Déjà, putain, le monde de la cuisine, je suis content parce que j'avais vraiment pas envie de faire ce monde. Du coup, il me reste quel monde? Je crois qu'il me reste le royaume oublié, là, où t'as le boss dragon bizarre qui a rien à foutre là. Ensuite, t'as le royaume de Bowser et t'as la lune. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'en ai loupé aucun. Le dragon, est-ce que ça va être modifié? En vrai, j'espère quand même que j'en chie un petit peu. Hop. Alors, déjà il y a de la lave partout. Mais ensuite je peux aller sur les barrières qui sont assez épaisses, donc c'est encore plus tranquille que dans le premier monde en vrai. Ok. D'accord. Est-ce que le boss est modifié? Oh putain de merde. Oh là là là, d'accord. D'accord. Déjà, j'apparais, je me prends forcément 2 hits parce que je peux pas éviter ça. Après il y a peut-être un cœur quelque part, je me demande si ça c'est pas un cœur. Mais est-ce que je me fais pas toucher si je le prends? Ah non, oh c'est juste une pièce, abusé. Oh! Oh! Attendez! Attendez! Non! Je me demande si c'est pas un cœur en fait.
Ah, c'est... ah non, c'est une lune. Je savais plus du tout qu'il y avait une lune ici. Ok, bah du coup, c'est bien, ça va me redonner de la vie. Est-ce que je peux aller là? Ok. Mais est-ce que je peux vraiment revenir sans me refaire toucher, en vrai? Non mais on avance, vous inquiétez pas, on avance petit à petit. À quel moment le boss apparaît dans cette zone là au-dessus? Ah, je pense qu'il me faut des points de vie en plus. Trop laborieux, je fais de la merde. 3 points de vie. Et mais en fait, j'arrive pas à ressauter correctement du mur, je comprends pas pourquoi. Ah, j'ai... Ok, on peut faire ça, putain. Attendez. Ok, j'ai 2 points de vie. On n'a jamais été là avec 2 points de vie. Hein. J'aurais pu, je pense, survivre avec 3 points de vie, mais c'est pas grave. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Si ça suffit pas, c'est qu'il faut à tout prix 3 points de vie. Allez, s'il te plaît. Ok, 1 point de vie suffisait en plus, mais est-ce que je peux le battre? Il me faut au moins 2 points de vie en plus, parce que dès que le boss apparaît, en fait, je me prends un dégât aussi. Oh merde! Le but, c'est de pas se refaire toucher. Déjà, faut réussir à maîtriser ça correctement si on veut espérer pouvoir taper le boss, en fait. Mais j'ai quand même un très très gros doute, hein, parce que le boss... En fait, je prends un dégât quand il apparaît. Et je suis obligé de prendre un dégât quand je vais à la zone. Mais ça veut dire que quand je vais prendre le dégât quand le boss va apparaître, juste après, je vais devoir me mettre à l'abri, en fait. Trouver un endroit où me mettre, en fait. Allez, on a réussi. Ok, c'est bon. J'ai 3 points de vie pour la première fois. Ok, 1. Il n'y a pas moyen d'aller plus vite là, hein. C'est pas possible. Attendez, il faut que j'essaye de voir s'il n'y a pas une zone au sol où je pourrais me mettre. Elle va part sur sa grosse gueule, je peux peut-être me mettre, je sais pas. C'est vrai que sur le boss, il y a des zones comme ça. Hein. Voilà, en fait, si je fais une charge au sol, ça va probablement me donner un cœur en plus. Et il faudrait que je les trouve, mais elles sont où, ces connasses de zones? Est-ce que je peux en atteindre une dès que j'apparais ou pas? Ah ouais, 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 si. Oh, y en a une en arrière, ok. La strat, ça va être d'aller à ces zones. Non, c'est con ce que je fais. Et je me suis suicidé. Pas grand chose, j'y étais aussi. Non, je suis mort. Let's go! Yes, c'est possible! C'est possible! C'est ça, c'est sûr! C'est ça! Ok, je l'ai. Là, je meurs, mais c'est pas grave. En fait, si j'arrive à pull le boss alors que j'ai mes 3 cœurs, c'est bon. C'est juste ça qu'il me fallait. C'est possible. Ah, putain. Ah, je suis trop con! Allez, concentration. Première fois en condition réelle. J'ai les 3 points de vie, j'ai tout. Let's go! Yes, first try! Donc là, on va en bas à gauche, d'accord? 1, 2. Ok. Obligé de faire ça tellement dur. Ah, je me fais toucher. Oh putain, merde. C'est terrible, je me suis fait toucher. Je peux pas bouger la caméra en plus. Je sais pas où je pourrais aller d'autre. Oh là 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 là. Je me suis laissé surprendre par les trucs. C'est pas grave. Je pense que je pouvais aller à d'autres endroits, mais j'étais tétanisé en fait. J'avais trop peur. Ok. Là, je les ai évités. Oh, j'hésite. Putain, je sais pas quoi faire. Oh, je me suis touché sérieux. Est-ce que je pourrais pas aller là-bas, là? Il y a pas un autre truc ici? Oh, let's go. Ah, ok. Ah, je vais mourir. Non, meurs pas. Il faut que je monte sur lui, là. Ok, c'est bon. Oh, c'est dur, putain. 1 point de vie. Est-ce que je meurs ou pas, là? Oh, let's go, j'ai réussi à revenir. Ok, 2 secondes. Je me concentre, hein. Oh, je suis stressé, sa mère. Ok. Ah, oh, bref, je peux y arriver, hein. Ah, mais attends, il y a un autre truc là-bas. Ah. Ok. Ah non, non, c'est pas grave, j'ai perdu un point de vie, mais je sais qu'il y en a encore un autre. Ok. Non, il s'est réveillé trop tôt. Ok, c'est quand même super bien. Genre, j'avance trop bien. Je suis allé trop tard sur sa tête. Ah, merde. Perdu. Je suis mort. Je suis mort. Gauche, droite. Ok, charge au sol. C'est bon. Non, on est bon, là. On est vraiment bon. Ok. Non, je me fais toucher, c'est pas grave. On est bon. On n'a jamais été ici. Il faut que j'essaie de faire un saut en avant tout de suite pour essayer de choper les 3 lunes. Il faut que je fasse un saut en avant. Il me fallait un point de vie en plus. Au moins un point de vie en plus. Oh là, il me fallait... Non, j'ai tapoté sur Y. Je pouvais pas faire ça en avant. Il me faut au moins un point de vie en plus. Si j'arrive avec 3 points de vie en plus, c'est sûr que je gagne. Je suis placé sur la lave en fait directement. Et il me faut au moins un point de vie en plus. Let's go! On n'a jamais été là. On n'a jamais fait ce que je viens de faire. Hein. Let's go! Let's go! On n'a jamais été là. Ça se trouve, ça suffit. S'il vous plaît, juste un point de vie en plus, ça suffit. S'il vous plaît, c'est bon! Il faut 2 points de vie en plus.
Il faut finir le boss en étant full point de vie. Et je ne pouvais rien faire, hein. Au cas où vous demandez, je ne pouvais rien faire. Non. On va y arriver, on va y arriver. Ok. Et tac, tac, ok. Enfin, des fois, les éclairs, enfin, les éclats de brillance sur les trucs, c'est insupportable, putain. Ok, ok, c'est bon. Ok, 2, 3, 4, vas-y, on y va. Ok, c'est bon, on attend, on attend. Avec 3 points de vie. Logiquement, j'ai juste à aller en face pour récupérer la lune. Si je survis pas, je sais pas quoi faire d'autre. Vraiment, si je survis pas, je sais pas. Let's go! Yes! 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 Putain! Yes! 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 Putain de merde! Oh putain, j'ai tryhard combien sur ce boss? Au moins 5 heures, je pense. C'est pas le boss le pire que j'ai tryhard de ma vie, mais il est bien classé quand même. Infiltration du château de Bowser. Est-ce que je peux marcher sur le truc au milieu? Oh, il y a des barrières. Oh, ok, d'accord. J'ai quelques lunes à récupérer ici, je sais plus combien. Oh, j'ai tué! Hop, hop! 1, 2. Ah, j'adore tellement entendre Mario souffrir à chaque fois, hein, vraiment, ça me fait plaisir, mon gars! Ok! Ah putain, je sais où je dois aller, regardez. Presque. Let's go. Deuxième try, hein. Hop, hop. Je suis de merde, hein. Ok, ok, non, mais je joue. Il vient de nous tuer. Tac, tac, ok. En speedrun, faut faire tac, tac. Non, je sais que c'est possible. Ok. Allez, ok. Alors, est-ce que j'aimerais pas me faire niquer? En fait, je pense que j'aurais dû garder mon piaf, en fait. Putain, j'ai regardé la dernière vidéo d'Amixem. Il faisait des blagues sur l'Ukraine et tout dedans. Enfin, pas des blagues, mais il se moque pas, tu vois. Moi, j'en fais tout le temps, vous me connaissez au bout d'un moment. Alors, attendez, du coup, ce que je dois faire? Hop, hop, là, je dois aller là. Non, ça a pas marché, sérieux. Moi, comme vous ai déjà dit, l'humour, c'est pas pour se moquer quand j'en fais, c'est pour dénoncer. Après, libre à vous de... Si vous prenez mal les blagues, ensuite, c'est la vie, malheureusement. Ensuite, je vous parle à vous, mais ça se trouve, vous avez jamais été vexé par une de mes blagues. Mais il y a des gens que j'ai probablement, c'est même sûr, déjà vexé avec certaines de mes vannes, tu vois. C'est la vie, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités et tout, tu vois. Mais après, l'humour, c'est une arme, blablabla. J'ai déjà dit 10 000 fois. Non, j'arrive pas. J'étais bon, j'étais bon, ok. Let's go! Ok. Ok, parfait. C'est là que le boss va apparaître, non? Ouais, c'est ici que le boss est. Allez, ça va bien se passer, Loki. Allez! Oh, j'ai pas réussi. Après, si je tombe dessus, logiquement, je peux y arriver. Ouais, c'est bon. Le boss me fait tellement peur, putain. Déjà, on a réussi à aller au boss sans mourir. Y'a pas de lave? Le boss est pas modifié après tout ce que j'ai vécu, là? Ok. Dégage, merci. Évidemment, du first try. Bon, aucune modification, c'est un peu triste. Vous êtes prêts? Oh putain. C'est beau. C'est vraiment stylé par contre. Non, c'est beau. C'est joli, j'aime bien. Lune de fiel au mariage de Bowser. Allô? Je crois que ça crache. Ok, je skip cette fois-ci. Est-ce que... Non, ça crache. Du coup, ce qu'on va faire. En gros, il faut que je mette à jour les fichiers de mon mod si je veux que ça ne crache plus, en fait. Mais merci, Julgan. Hein. Il m'avait prévu par MP que ça pourrait se passer. Merci à toi, Julgan. Franchement, merci de m'avoir MP. Je le plagie, il est pas rancunier. Putain, franchement, merci. Hein. Bon, il n'y a plus de lave malheureusement, mais en fait, le truc, c'est que je pouvais juste pas jouer, en fait, ça crachait. Mais je crois qu'il y a quand même de la lave à certains endroits, si je dis pas de bêtises. Ok, bon, ben... Putain, je suis déçu qu'il n'y ait pas de lave, finalement. La fin du jeu. Oh, putain. Ah oui, il a faut retourner 3 coups de truc. Ok. Est-ce qu'il y a de la lave aussi en cinématique? Est-ce que ça va vraiment être dur? Putain, je sais pas. Ok, 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 ok. Moi, je suis mort, par contre. Ok, c'est reparti. Je vais trouver, je pense, à force de crever, mais... Non mais attendez, 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 par contre, la strat, c'est pas de jouer à deux. Non mais c'est pas ça, la vraie strat, c'est pas d'y aller à deux quand même, c'est pas de prendre le mode duo en fait. Ok, ça c'est Mario, je peux sauter comme ça, je peux jeter Capi, ok. C'est Capi, attends. Quoi? Ah mais c'est fort ça, non? Ok, je peux malgré tout jouer comme si j'étais tout seul si j'ai envie. Attendez, on essaye. Nul!
nul. Nul à chier, je suis désolé. Déjà, jouer à deux tout seul, j'ai pas envie de faire ça en fait. J'arrive pas à faire deux trucs en même temps dans la vie. Je veux pas jouer à deux tout seul. J'ai fait ça assez dans ma vie en fait, jouer à deux tout seul. Donc j'ai décidé de passer en mode assisté pour avoir 6 cœurs de base. Allez, c'est bon. Je leur tirerai après, tant pis, c'est pas grave. 5. Je suis à deux doigts de Rashid quand même, hein, je vous le dis. C'est le mode suicide assisté, ils auraient dû l'appeler, je pense. Allez, on est parti pour essayer de tryhard le mode duo, c'est bon. C'est la seule chose que je peux faire en fait. Ok, là j'ai réussi. Ok. Vas-y, rejette-moi ton chapeau de merde là. Je suis mort. On avance, d'accord. Faut voir le bon côté des choses. Ah, mais c'est la seule façon que j'ai joué en fait. Oh gros. Bon, écoutez, c'est pas grave. La technique de la manette dans la bouche, pour le début, ça marche, d'accord. En fait, le mec qui a fait ça a des problèmes, et moi aussi j'en ai, je pense. Ok, en fait, c'est ça. Faut contrôler le chapeau. Faut pas que ce soit trop près, en fait. Ok, c'est bon. Là, on est bon. Oh non! Reviens! Non! Oh, je suis mort, là. Non, j'ai merdé, là. Ok, c'est bon. Ok. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit en face de moi en fait. Autant pour moi. Ok. Bon, non, faut juste le prévoir, ça c'est pas si dur. Si t'es pas trop con, c'est pas si dur en vrai. Ok. Allez! J'ai merdé. Putain, j'étais bien pourtant. Ah, je suis mort. C'est trop dur de faire des sauts bien ici. Hein. Dès qu'il est trop loin de moi, j'arrive plus. Hein. C'est bon! Deuxième dégât, logiquement, si je fais pas de la merde. 1, 2. Ok, il y a 3 points de vie. Hein. Ok. Et il va me rejeter masse de chapeau. Ok. Bon, le principal, c'est que j'ai eu le cœur sans me faire toucher, en vrai. Ah non, je fais de la merde. Trop dur. 1, 2, 3. En fait, vous étiez comme ça et faire un saut en avant comme ça et je suis mort parce qu'en fait, j'ai pris la lave juste après, mais j'avais réussi. Je fais de la merde. 2, 3. J'ai raté parce que j'ai paniqué. 2, 3. Ok. 1, 2. Non, c'était pas bon. En fait, il faut vraiment 1, 2, 3. Oh putain! 2, 3. Non! Non, j'ai pas fait un saut! J'ai pas fait un triple saut pour comment ça se fait? 3. Je suis mort. C'est infâme. Je suis mort. Pourquoi je suis mort? Parce que j'ai voulu aller trop vite. J'aurais dû attendre qu'il finisse de chez ses rochers en fait. Mais j'ai envie de lui baiser sa mère en fait. J'ai envie de le fumer ce bâtard. Let's go! 1, 2, 3. Let's go! C'est bon, c'est fini. Combien de temps j'ai pris? 1h30, 2h? C'est la fin du jeu. C'est pas fini, mais on arrive. Il y a encore la fuite. Je suis mort. J'aurais dû faire attention, mais je pensais pour moi, quand Bowser était mort, c'était fini en fait. Bon bah, faudra que j'utilise Capi en fait. Putain, j'aimerais bien contrôler Bowser et le faire se suicider, ça serait bien en fait. Ok. Là, on est bon. Let's go. 3. Là, il va me retaper. 1. Ok, on est bon. Maintenant, quand je sors, quand j'ai skip la cinématique, il faut que j'appuie sur le capi pour sauter, en fait. C'était ma bonne chance, hein, vraiment. Avec un point de vie, ça aurait suffi. Mais je voulais être sûr et certain. C'est bon. Là, logiquement... Attends. Au cas où... Ok, bah là c'est la fin en fait. C'est juste la fuite, y'a pas de lave. Putain les mecs, je crois qu'on a bientôt fini. Je crois qu'on arrive à la fin. Alors, là il faut contrôler Bowser. Est-ce que c'est modifié ici? Mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi. A priori, ça a pas l'air d'être trop modifié. Non, c'est pas modifié ici, j'ai l'impression. C'était ça le boss de fin. Il était terrible. Alors, en vrai, le boss de fin était vraiment dur. Est-ce que c'est vraiment la fin là, putain? Sans déconner. C'était terrible. Oh le dragon, putain. Le dragon et le Bowser de fin. Le dragon était plus dur que le Bowser de fin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça y est, là c'est la fin. C'est là que je suis en train de terminer, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, c'est vrai, il faut que je tape sur les boutons. Ah putain, ça y est. Franchement, c'était chaud. Je pense qu'il y avait de la lave.